Et boum! Au menu, futur, sang et bombasse. Vous connaissez le principe, moins de 5 minutes et 3 séries. Bienvenue dans la trilogie du mercredi générique. Pandora! Mais qu'est-ce que c'est? C'est une série de 2019, donc c'est super récent en soi. Dans un monde futuriste, une jeune femme nommée Jax, suite à une attaque tuant sa mère, va devoir être prise en charge par son oncle. Et intégrer une nouvelle école, essayer de se faire des amis, qui après une guerre intergalactique, ouvre enfin ses portes aux Atariens. Hourra pour lui! Hourra! Non, on s'en fout. Vraiment. Jax va devoir se faire une place entre les futurs pilotes, les médecins, les télépathes, les clones et les gonzesses habillées comme Dora l'exploratrice ou LSD. Et en même temps, essayer de comprendre qui c'est que quoi qu'a buté sa mère. Et si Jax était encore plus impliqué qu'elle ne le pense. Petit 6 sur 10 amené à évoluer suivant là où la série va nous emmener. Pour l'instant, c'est pas ouf. Suivant, Vampire Diaries. Mais qu'est-ce que c'est? C'est vrai, tout le monde connaît Vampire Diaries. Ou au moins, en a entendu parler. C'est une série de 2009 relatant la vie trépidante d'Elena Gilbert. J'écris parce que je sais pas quoi foutre de mes journées. Elena vit avec son petit frère et sa tante depuis la mort de ses parents. C'est comme un Disney, hein. Et toi, ça va? Va te faire foutre. Les parents y crèvent. C'est comme ça. Lors de la rentrée, elle va tomber sur Stephen. Un bel inconnu. Oh oui. Ce bel inconnu a un frère encore plus beau et diabolique, Damon. Et ses deux frères cachent un lourd secret. Ce sont des vampires. Tu t'en serais douté suivant le titre du truc quand même. C'est la révélation du siècle. Wouhou! Bref, Elena va découvrir leur secret, qui n'était pas super bien caché en soi, et forcément sa vie va changer. Surtout qu'elle veut s'en taper un. Très bonne série de vampires avec des vraies questions émotionnelles, comme les sentiments de Damon, par exemple. Ah oui, Damon! Et surtout, c'est une série qui répond au pourquoi du comment les vampires existent. Damon, pète-moi le cassoulet, Damon! Oh! Les jeux d'acteurs sont crédibles, et même si l'histoire a ses côtés sentimentalo-dramatiques, ça mérite un bon 8,5! Suivant, Cléopatra 2525, mais qu'est-ce que c'est? C'est un code de Minitel. Non, je déconne. C'est une série de 2000 qui se passe en l'an 2525, hein, d'où le titre. Dans un monde futuriste, encore un, deux femmes légèrement vêtues se battent. Best future ever! Elles se battent contre un robot calqué sur Terminator 2, mais comme si les FX avaient été gérés par un gosse de 8 ans. C'était quand même il y a 20 ans maintenant. Et aussi, elles vont se battre contre des méchants calqués sur les Power Rangers, hein, cette fois. Le tout avec des FX zéro budget, hein, totalement aux fraises, et produit quand même par Sam Raimi. Ce qui change d'Evil Dead et de Spider-Man. That's nice. Bref, les deux filles vont tomber sur une autre aussi dénudée qu'elle. Du coup, elles vont devenir copines, hein, forcément. Et j'ai vu pas mal de films qui commençaient comme ça, moi. Enfin, c'est d'autres types de films, cherche pas. Bref, une série prétexte à contempler les formes magnifiques de Jennifer Sky, Gina Torres et bien sûr, Victoria Pratt. Avec plus de budget, elle aurait pu être même très sympa à suivre, mais dans l'état, ça vaut qu'un 3. Malgré les formes de Victoria Pratt. N'oubliez pas, bien sûr, pour ce qui est des notations, je vous laisse revenir à l'épisode 1 qui vous explique tout. C'était Shodan, et boum! Oui! Yeah.